Bon, je vous montre là l'endroit dont je vous parlais. Vous voyez, il y a une combe avec une zone humide en bas qui doit être un endroit où la rivière déborde quand il y a trop d'eau. Donc, vous voyez, c'est toujours humide ici, même l'été. Il y a cette grande plaine là, donc ça a dû passer à cheval. Je l'ai fait une ou deux fois, j'ai pas trouvé grand-chose, c'est étonnant. Maintenant, sur des grandes plaines comme ça, c'est vrai que on a été surpris plusieurs fois, notamment à côté de ma ville là, où on trouvait pas grand-chose, et puis d'un seul coup, par endroit, on trouve des pièces. Si ça passait à cheval là, il y a forcément un peu de monnaie. J'avais fait une belle sole un peu plus loin, peut-être ma première aussi d'ailleurs. Et donc voilà, donc on a ce petit promontoire, vous voyez, ça descend assez à pic là. Et on a ce chemin là qui est bien pratique pour voilà, qui fait tout le tour et qui est bien pratique pour surveiller ce qui se passe dans le contrebas. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite boucle à peu près par là. Et je pense que voilà, maintenant que là c'est dégagé, ça l'était pas, je vais m'attarder sur ce coin là et on va voir si il n'y a pas quelques pics monnaies par là. Eh bien écoutez, je vous reprends en tout cas. Et l'endroit est sympa, on est au calme. Bon, il y a quand même une grande route à côté, mais sinon, à part ça, les habitations, ça ne court pas les rues. Hein. Il n'y en a pas beaucoup ici. Allez, je m'y remets. Et la prochaine fois, c'est pour la première pièce. A tout de suite. Bon, pour le moment, c'est bien calme. Bon, j'ai pas fait beaucoup de chemin. Hein. Je prends mon temps. Bon, Une petite bricole qui est un petit signe de passage. Bon, souvent les gens pensent que c'est des morceaux d'alu pliés, mais enfin, ça c'est très certainement un alu. Hein. Donc, c'est très certainement une attache de gourde ou une chose comme ça. Ça doit être militaire, ça. Bon, alors bien sûr, c'est pas vieux, mais ça veut dire qu'il y a eu du passage. Alors, je me rappelle plus de quand date l'alu, mais je sais que c'est assez tard, hein, ça vient des années 1900, donc c'est certainement contemporain. Mais je pense. On avait ça accroché au ceinturon pour mettre les gourdes avec l'anneau là. Donc voilà, bon, c'est pas grand chose. Je suis toujours au bord du chemin, vous voyez, pas très loin, puisque j'avais pas eu l'occasion de vraiment fouiller au bord. Pour l'instant, c'est calme. Donc on verra. Là, je suis toujours, vous voyez, au bord de ce. Hop là. C'est comme ça qu'on se casse la tronche. Et là, on aperçoit en bas la rivière là. Je vais essayer de m'approcher parce que là, ça tombe. Voilà, vous voyez, là, il y a. Allez, on va découvrir un petit peu. On va essayer de ne pas glisser parce qu'il y a. Là, on est vraiment au bord du truc. Je vais m'accrocher aux arbres. Voilà. Et vous voyez, il y a des morceaux rocheux. Il y a la rivière en bas. Alors d'ailleurs, ce petit chemin là qui est peut-être pas tout neuf. Il faudrait peut-être que je le fasse. Là, dans le contrebas. Voilà, on voit le. Oh, il y avait un renard, je sais pas si vous l'avez vu, qui est perché ici. Bon, on voit bien le. Vous voyez, une petite falaise. Le renard était juste là, c'est dommage, je fais trop de bruit. Donc la rivière est là en bas. Et moi, j'étais descendu là, on peut descendre juste en bas là. J'avais fait un Napoléon là en bas, à la plaine. Bon, ça flotte, hein, c'est mouillé. Putain, je regrette pour ne pas. Pour le renard. Bon. C'est à cause de vous, ça. Voilà. Bon, il faut faire gaffe quand même. Vous voyez, ça tombe. Là, on doit bien être à une bonne vingtaine de mètres. Donc, par ce temps-là, pas se rapprocher trop. Surtout de là, vous voyez. Là, vous vous retrouvez en bas. Bon, ben, je vais commencer. Je vais continuer là, le bord du chemin. J'irai bien voir si je vois le renard de l'autre côté. Il se dit, c'est défilé long. Là, je sais pas comment il a fait pour grimper là. On va essayer de le surprendre. Ouais. Je m'éloigne du bord. Oula, putain. Oh. Casse gueule, hein, je vous le dis. Hop. Voilà. Mais par là. Je sais pas comment il a fait pour grimper. Ouais, il y a des trous dans les rochers et tout. C'est ça fait des super endroits pour se planquer. Accroché à l'arbre, mon avis, il est sous moi, il est dans la roche en dessous. Bon, vous voyez ce cours d'eau là, il est sympathique. Je pense que ça vaudrait le coup de descendre un coup. Et puis, on voit bien le lit qui longe la falaise là. Peut-être que dans la descente, là, s'il y a accès, il peut y avoir des traces de passage. Ça pêchait peut-être dans le coin.
On verra. Bon, en tout cas, c'est agréable. C'est moitié flotte, moitié neige. Mais bon, pour ouais, j'aime bien ces endroits. C'est un petit peu... L'été, c'est encore plus joli. Je vais d'ailleurs faire quelques photos après. Bon, bah écoutez, je vais essayer de vous trouver une monnaie quand même. Allez, ou une petite boucle. A tout de suite. Bon, j'ai bien cru que j'allais vous montrer la première monnaie. Mais c'est raté. C'est le long appel de la détection. Hein. Et voilà, ça fait un quart d'heure. Bon, ça a tapé, je crois. Non, bon, on va voir. Ouais, ça fait un quart d'heure que je m'échine sous les racines. Parce que souvent, les bons sons, ben, c'est dans les racines. Et puis finalement, paf, une douille, un cul de cartouche de chasse, bon, qui n'est pas toute récente, mais qui n'a pas d'intérêt. Donc voilà, ça aussi, ça la détection. Bon, je voulais vous faire partager ce moment pourri. Là, je suis vraiment au bord de l'eau, vous voyez. Le coin est beau, sympa. Il est vraiment sympa, là. Bon, le renard, tout à l'heure, il était à l'autre côté, là. Ouais. Ah, c'est sympa pour s'abriter, hein. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu plus de passage. Hein. Toujours en garde de ne pas être trop au bord de... Bon, c'est à peu près de la, c'est à peu près de la flotte, mais... Mais bon, en plus, vous voyez, il y a des belles fissures, là. Je ne vais pas trop rester sur le morceau, là. Parce qu'il y a quand même du poids. Mais bon, c'est sympa. Alors, je suis en train d'attaquer la friche, là, que j'ai jamais faite. Alors, le chemin, vous voyez, il continue. Je m'étais arrêté en début de friche, moi. Je vais parcourir un petit peu, là, le long, voir si je peux descendre. S'il y a un chemin qui descend, ça peut être sympa. Bon, si on trouve rien, pour l'instant, je fais les bords, parce que je pense que je suis pas le seul à, voilà, à avoir voulu regarder un petit peu ce qui se passait. Alors, vous voyez, ça, c'est une résurgence de la rivière. La rivière, on la voit mieux, là. Elle est là, elle passe tout droit, là. Et donc, quand il y a des trop-pleins, ça monte ici, là. Ouais, elle passe tout droit là. En tout cas, ça remet en jambes et c'est super agréable. J'avais un petit peu oublié. C'est vrai que les sorties n'avaient pas été nombreuses l'année dernière, mais je pense que on va s'y remettre. Bon, je bouche mon trou. Et puis je vous reprends, je désespère pas. Hein, je rentre rarement bredouille. Je vais bien vous trouver une petite monnaie, même récente. Allez, à tout à l'heure. Bon, toujours rien. Je suis à l'embouchure là, là où le bras, vous voyez, on voit le bras de la rivière. Et puis une preuve que effectivement j'ai pas tort, ça a dû passer depuis longtemps. Il y avait certainement une voie. Alors c'est pas une délimitation de terrain, ça c'est numéroté. Je pense que c'était un chemin. Alors dans quel sens il allait, ça, c'est difficile à dire. Bon, de toute façon, il ne devait pas aller tout droit, à moins qu'il y ait eu un pont. Je pense que peut-être là. Alors peut-être que celui-ci est intéressant à suivre. C'est un peu dégagé, on va continuer. Par contre, quand on est au vent, ça caille. Hein. Bon, allez, je continue. En espérant peut-être qu'il y a d'autres bandes, ça va me donner des indices. Allez, à tout à l'heure. Bon, eh bien les amis, la sortie se termine. Je sais pas quelle heure il est. Oh, ça fait une heure et demie que je suis dans les bois, je pense. Donc, bon... On s'est bien maladé, le coin est sympa, hein, mais malheureusement, bon, il doit y avoir encore quelques monnaies, mais on a déjà fait une ou deux fois, et je pense que pour ce coin-là, ça sera terminé. Peut-être effectivement à faire la plaine plus tard, mais bon. Bon, en tout cas, la balade était bonne. On commence l'année par une bredouille, mais c'est les lois de la détection. Hein, ça ne veut pas dire que l'année sera mauvaise. Hein, ça veut dire que le coin n'a pas été judicieusement choisi aujourd'hui. Mais il fallait que j'en ai le cœur net, hein, quand on voit des espaces de friche comme ça qui sont accessibles, ben, faut pas hésiter. Donc, ben, moralité sur celle-ci, donc il y avait bien un axe, bon ça a dû être fait, hein, on a trouvé surtout sur un axe qui suit le chemin et la bordure des rochers que vous avez vus. Et puis, un tout petit peu dans le bois en face, là, quelques boutons de manchette, j'avais fait, je vous dis, un beau potin. Quelques bricoles, mais pas énormément de trouvailles, donc on va changer de coin pour la prochaine fois. Sur ce, ben écoutez, je vous quitte, hein, j'espère que la prochaine sera fournie en trouvailles. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis bonne détection, à la prochaine.